Bonjour à tous, c'est Ryan Guy, 14e épisode de Sleeping Dogs. On a eu le rancard avec Amanda, vu qu'on est lancé, on va peut-être enchaîner avec le rancard avec Tiffany, histoire de se comporter vraiment comme un gros porc. How are you? Ça va et toi? I'm good. Listen, you busy later? Well, I'm working. Why? I was thinking of dropping by Bam Bam to see you. Oh, that'd be great. You wanna sing karaoke? Well, you have to get a few drinks in me first, but maybe. See you in a bit. You got it. Bye-bye. Ok, on va se remettre dans le droit chemin. Ok, donc ce sera par là. Merde, la Lamborghini a disparu, c'est un peu con ça. Nouvelle affaire disponible, c'est bien, mais c'est pas vraiment ce que je recherche pour l'instant. Tiens, bonjour. Hop, hop. Non, ça non plus. La Spark non plus. La chanson de Tiffany. 800 mètres. Et ben, ça risque de prendre 5 minutes histoire quand même. Est-ce que... Non, il n'y a rien d'intéressant à voler. Hop, je suis le pire flic du monde, hein, sans déconner. C'est pas mal quand même le scooter pour les rues de Hong Kong, hein, on va pas se mentir. Eh, ça c'est pas mal devant. Merde, je peux pas... Ah, je peux pas le faire en... Ah, c'est ennuyeux. Bon, bah, on va se la faire à l'ancienne. Aïe, tu m'as renversé. Espèce de monstre. Ouais, dégage. Je te laisse le scooter, je suis sympa. Allez, c'est parti, on va voir la gonzesse. Dans une voiture un petit peu plus présentable que le scooter tout moisi. Allez, l'essentiel c'est de conduire prudemment, hein, bien sûr. Pour ne faire courir aucun risque aux gens sur la route. Bien évidemment. Oh, c'était par là. Merde, et à chaque fois j'étais trop fort. Voilà, hop, 500 mètres. Hop, hop. Oh, attention, c'est pas loin. Allez, on arrive au club Bam Bam dans une petite minute. Pourquoi il m'a changé de... Non mais, tu m'emmerdes. Merci. La Spark machin... Eh, hey, mon gars. Ah merde, c'est la voiture que j'étais censé piquer. Bon bah écoute, j'ai... Vous êtes sérieux là? Mais je voulais pas la prendre cette putain de voiture. J'essayais de faire le truc de Tiffany. Con de jeu, va. Super. Allez, dégage. Ah bah, c'était peut-être pas la peine de piquer une voiture, on y est. Hop. Bonjour. Faites... Ah ça va, ça danse. Je sais plus qui est en train de l'agresser. Je vais lui défoncer sa mère. Ok, allez, on descend. On va essayer de retrouver Tiffany. Alors c'est celle qui me plaît le moins, hein, des trois qu'on a. Et c'est la plus folle accessoirement. Hop, hop, hop. Bonjour. Ouh, elle a un joli dos quand même. Hey Tiffany. Oh, you're here. Mais bien sûr, je suis là. There's no escaping karaoke here, is there? You wanna sing first? Non, je veux juste te mettre une cartouche. Et accessoirement, profiter des bonus inhérents à ta... Bref. Allez, chanter une chanson pour Tiffany. Qu'est-ce qu'on a à chanter? I fell in love, a lot of love, rolling in the years. Alors, j'en ai aucune idée, on va partir sur Steely Dan. Putain, si j'emballe pas avec de la musique pareille, les gars. Et ça se trémousse derrière. On va pas se mentir, elle pue la merde un peu cette chanson quand même, hein. Des merdes. Faut que je reste concentré parce que sinon je fais des conneries.
Woohoo! Merde! Bon allez, c'est pas si mal. Ah non, elle est pas finie encore la chanson. Parce qu'elle est quand même pas terrible, on va pas se mentir hein. Wouh, super. Bon alors. Merci beaucoup. Putain, elle est vraiment pas jolie hein. Is there anything you like me to say? No thanks. Maybe next time. Là, je devrais bien faire des trucs avec ta bouche mais pas forcément chanter. Really? So soon? You don't want me to sit on your lap and sing for you? That's the kind of thing clients usually want. Ah, t'es donc une prostituée? Well, when you put it like that. Let's go sing. You ready to go crazy? I'm a pro, so try to keep up. Ouais. C'est le rendez-vous le plus foireux que j'ai vu de ma vie. Mais est-ce que, du coup, je peux, Les statues de Jade sont visibles sur la mini-carte. C'est tout ce que je voulais. Merci beaucoup. Allez, on se casse. On va... On en reste là. C'est un peu pourri quand même. Hein. On va pas en rester là. On va pas en rester là parce que vraiment, il n'y a rien eu dans cet épisode. On va sortir de cette boîte. Et... Appel de Papping. Hello. Hey, Wei. Wanna get together later? I'm curious about a lot of things. Well, I can do that. Meet you at the store? Yeah, sure. Why not? Eh ben voilà. Hop, on a une autre poulette à aller récupérer. Et en plus, la moto est toujours au milieu de la route, c'est parfait. Allez, on y va. Épaté Papping. C'est une phrase bizarre, mais admettons. Allez, on va essayer de faire ça très vite. Wouhou. Ouah. Allez, pas mal. Aïe, là je me suis manqué. Allez, on est pas très loin, faudrait que je songe à acheter des vêtements aussi, hein, parce que j'ai toujours ma tenue pourrie là. Hop, oh, merde. Non, bah non. Ouais, la statue de Jade, on va y penser. Elle est là, hop. Bonjour. Faites pas attention à moi, madame. Allez. Elle, pour le coup, je crois que c'est celle des trois qui me plaît le plus. Papping. On sait même pas comment elle s'appelle d'ailleurs. Yeah, I'm back. Yeah, I thought I'd see if I could talk you into teaching me a few things. Yeah. Okay, let's go. Tu vois ce que je veux dire? Ça va. Tu vas m'apprendre des trucs. Ah, merde. Bah, je peux lui dire ça va t'es la gueule ou alors je peux lui dire. Excuse me, officer? Yes. What is it? Yeah, I saw what looked like a drug deal a couple minutes ago. Over there. Thanks for the tip, sir. I'll check it out. Ouais, c'est ça. Vas-y. Allez, dégage. C'est bon, espèce de grosse tarée. Huh? Ntawa, I have to say though, the cops in this town are kind of dumb. All right. When I feel restless, I come out here and hotwire a camera just for fun. Hotwire? Why not just hack it? I don't have the software to do that. Let me show you how the pros do it. Espèce de naze. Keep an eye out if the police come back. I don't think I can sweet talk them like you did though. Non, je suis sûr que si. Alors. Hop, on va d'abord aller sur le toit. Retour des flics dans une minute. Très bien, de toute façon, c'est le petit truc facile qu'on a l'habitude de faire. On a un de bon et tout le reste c'est complètement faux. Très bien. 5, 4, 3. Le 3 est bon, les deux autres sont pas bons. Du coup, on va tenter le 2 et le 1.
et il manque le 0. Voilà. Impressive. How do you know how to do that? I have my ways. Not going to tell me? Maybe I can find a way to bribe you later. Bah j'espère bien. So, that was like pretty fun. I didn't know you were so into tech stuff. Yeah, I'm, you know, into all sorts of crazy shit. I bet. You know, I still don't know your name. What do you mean? Well, look at my address book. You're still just not pinged to me. That's cute. I like that. So you want to set me straight? Eventually. Most likely. All right. Mm. I guess we'll see what it takes to get it out of you. Eventually. Let me show you how the pros do it. Yeah? You gonna show me how to hack a camera? Of course. Il a quand même des rencarts un peu bizarres, hein, le garçon, on va pas se mentir. Bon, allez, j'ai rencontré tout, j'ai vu du... j'ai eu mes rencarts avec les trois gonzesses. Ça, c'est déjà fait, je peux voir toutes les caméras de surveillance, et ça, c'est cool. Bon, du coup, est-ce qu'on se ferait pas une petite mission qui bouge un peu plus? Qu'est-ce qu'on a dans les environs? Ça, je l'ai déjà fait. Ça, c'est pas ouf. Alors là, je peux toujours amener la... Ouais, mais ça bouge pas des masses, ça, quand même. Ah bah tiens, il me restait celui-là. Il me restait la mort à petit feu, tiens, on va faire ça avant de se quitter. Excusez-moi, je suis un officier de police, j'ai besoin de votre véhicule. Ah mais elle pue la merde cette moto comparée aux autres. Bon, c'est pas grave. On va faire avec. On va filer. Hop. Voilà. On va filer jusqu'au point de rendez-vous. Ouais, non, elle est pas terrible, ce moto. Elle est vraiment pas terrible. En même temps, cette voiture est encore pire. Le taxi, c'est pas la peine. Wow! Attention, merde. Oh, là, c'était là. C'était là. Oh, c'est pas grave, on va passer par ici, ça ira bien. Voilà. Oh. Puisqu'on est là, on va passer à l'hôtel. Bon, tous les hôtels, je les ferai hors caméra, hein. C'est pas la peine que vous voyez ça, ça a pas grand intérêt. Hop, là c'est juste que ça s'y prêtait, c'était sur le chemin. Allez, hop. Oh. Ouf. D'habitude, ça s'arrête tout seul, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce quoi? Ouais, des 18K sont incrustés sur notre territoire. Fais gaffe, leurs lames sont empoisonnées, à toi de jouer. Ok, sympathique. Bon. Hop. Non. Wow. Wow. D'accord, sympa. Oh, mais c'est pas vrai. Allez, tiens mon grand. Oh merde. Mais putain, d'où tu me touches, cet enculé. Oh merde! Putain! On l'a refait! On l'a refait, je suis chaud! Mais putain, mais c'est pas vrai! Bon, ok, on va se la faire à l'ancienne. Hop! Mais vas-y, putain! Mec, il met 3 coups de couteau sans déconner! Eh, va niquer, t'es mort! Hein. Esquive, esquive, esquive! Mais putain, d'où tu m'as touché? Qui m'a touché là? La con de t'es mort, qui m'a touché? Mais vas-y, sans déconner, je l'esquive et j'ai même pas le temps de mettre un coup, il me remet un deuxième. Mais putain, je l'ai esquivé. Il m'a pas touché. Putain, je ne peux pas esquiver son deuxième coup. Tu,
tu nous as fait quoi là? T'as une crise cardiaque? Ouais, lui c'est fait. Hop, esquive. Allez, point dans la gueule. Finish au sol. Esquive. Double point dans la gueule. Retournez. Contre. Allez, allez. Allez, allez, putain, mais esquive-le! Oh là là, j'étais à 18 sur 30. Allez, très bien. Oh putain, balance-moi cette lame, balance-moi cette lame. Esquive, bien joué. Allez, oh non, non, ça y est, putain, je suis touché. Je suis touché. Mayday, 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 je suis touché. Mais je prends des dégâts, là, en fait. Ah, putain, mais c'est le poison qui me défonce. Oh, mais comme ça met les nerfs. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? D'où tu l'as jeté sur quoi, le couteau, là? Qu'il a rebondi, sans déconner. Non, mais sans déconner. Les mecs, ils sont... Bah, c'est plus la peine, hein. Ah, mais sans déconner. Le mec, il prend des coups de pied dans la bouche, il bouge pas une oreille. Ah, putain, non, non, pas le couteau, pas le couteau. Putain, mais pas le couteau, mais pourquoi tu prends un couteau? Enculé de tes morts. Qui t'a dit de prendre un couteau, fils de pute? Mais putain, pourquoi tu l'as pas esquivé, celui-là? Celui-là, je veux bien comprendre que je l'ai pas esquivé. Mais non, je t'ai mort. Mais non! Mais il n'a pas touché avec son couteau, il m'a mis un coup de pied! Mais c'est quoi cet enculé en règle là? Oh putain! Je suis mort de quoi là? Mais je suis mort de quoi? Ah merde! On balance un couteau? Non! Dégage! Mais. Non, mais c'est une blague! Je balance le couteau, je meurs? C'est n'importe quoi. Allez. Oh non, 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 pas le couteau, pas le couteau, pas le couteau. Non. Esquive, esquive. Et voilà, on s'est fait baiser parce qu'on a pris ce putain de couteau. Allez, allez! Putain, mais c'est pas vrai ça! Et en plus, il arrive plus à lancer le couteau maintenant! Allez! Allez! Mais putain! Sans déconner, j'appuyais pas sur le bouton là, enculé de tes morts! Allez! 14 sur 30. Ça s'approche. Hop! Waouh!
Esquive, allez, on y va. Tac, coup plein la gueule. Esquive, esquive, putain. Allez, 19 sur 30. Allez, on y va. Non, putain, pourquoi il faut que tu prennes cette merde? ?22 sur 30. Esquive, mais esquive. J'appuyais là, enculé. Putain. Ah putain, enfoiré. Allez. Allez. Ah, ça commence à être dur là. Non. Esquive. Esquive. Non. Non. Allez. ?28 sur 30. Allez. Allez. Oh. Eh merde, qu'est-ce que tu prends sur ce putain de couteau de merde? Qu'est-ce que c'était que cette mission de l'enfer? Oh, qu'est-ce que c'était dur, putain! Ah, j'ai détesté. Sans déconner, hein. J'ai vraiment, vraiment détesté cette mission. Bon, voilà. Du coup, je vais essayer de raccourcir un peu parce que là, c'était n'importe quoi. On va en rester là pour cet épisode. Je sais pas ce qu'on fera dans le prochain, mais en tout cas, on se battra pas contre 30 ennemis qui t'empoisonnent au moins d'un coup. Allez, ciao, ciao!